Bonjour les petits loups, voilà, on va faire une salade de riz, une salade de pâtes. Donc j'ai pris deux casseroles, et puis je vais les bien laisser bouillir. Là, voilà, je les laisse bouillir. On va mettre du sel. Moi, je vais attendre un petit peu, on va laisser que ça boue déjà. Pour faire ma salade de pâtes, moi je vais faire des pâtes comme ça. Voilà. Bon, je vais prendre du riz que je vais laver trois fois. Je vais essayer de prendre que le blanc là. Parce que j'avais mélangé mon riz, hein. Mais bon, c'est du riz, c'est pareil. Voilà, mon riz. Bon, j'ai mélangé les deux. J'ai pas pu. J'ai pas pu. Voilà, on laisse bien bouillir tout ça. Tout ça, tout ça. Moi, en attendant, je vais chercher deux bois. Bon, vous allez voir. Hein. À côté, je mets des œufs. Pareil. On va bien laisser cuire les œufs. Voilà, je vais prendre deux tomates que je vais couper en petits dés. Je vais mettre une tomate pour chaque bol. Je ne vais pas mettre trop de tomates. Après, ceux qui aiment les tomates, ils vont mettre plus. Vous en mettez plus. Voilà. Donc, je vais chercher mes bols. Désolée. Voilà. Voilà, c'est des bols qui ont la même tête en plus. Ouais, je vais voir si je rajoute pas. Je vais voir. On va voir ça ensemble. Hein. On travaille ensemble. Tout dépend de la quantité de pâte et de riz que j'ai. C'est pour ça qu'il faut qu'on garde en vérité. Voilà. J'ai une boîte de thon, je vais le rincer, je vous ramène ça. Ça part. Pareil, je vais mélanger mon thon. Oh là là. Oh là là. Il fait que des bêtises. Des bêtises, des bêtises. Il faut une vraie boîte. Je vais rincer ma boîte et. On tire mal dès le départ, voilà ce qui arrive. Ouais, ça va. J'ai peur de me faire mal. Bon, je vais laver ça et je reviens. Je vais rincer et je lave. J'ai du thon entier naturel. En essayant de bien ouvrir la boîte quand même. On va enlever tout ça et je reviens aussi. Pareil. Bon, je vais me laver les mains là, je déteste travailler comme ça. Oh là 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 là. J'aime pas. J'arrive, je suis là. On va mettre des betteraves rouges, pareil. C'est des boîtes de conserve. Ils sont très bien. Moi au départ, je croyais que c'était pas bon, mais
Bon, je vais les rincer aussi. Hein. Fait que rincer ici. Par contre, les betteraves, comme c'est rouge, il faut bien les rincer. Je les laisse là comme ça. Je vais mettre à la fin. Je vais un peu nettoyer tout ça. Et je reviens. Parce que c'est trop. Donc voilà, quand mes betteraves ont bien été essorées, là je vais les mettre là. Je crois que j'ai pas oublié d'en mettre, moi j'en mets parce que j'avais une boîte dans le placard depuis des années. Donc il faut bien les mettre. Les pâtes, il faut bien laisser refroidir. On n'allait pas mettre des pâtes chaudes là-dessus. Hein. Faut bien laisser refroidir. Voilà, moi mes pâtes sont cuites, Mon riz n'est pas encore cuit. On va faire la sauce pour les pâtes. C'est simple, vous mettez de la mayonnaise. Voilà, comme ça. Quantité, je sais pas, c'est 2 cuillères à soupe de mayo, on va dire. 1 cuillère à café. Un jus de citron. Un demi jus de citron. Ensuite, on va mettre du sel, du poivre. Attendez, il faut que j'enlève ça là parce que ça me stresse moi. Travailler comme ça, ça me stresse. Donc, on va mettre un peu de poivre. Un peu, hein, pas beaucoup. Du sel. Du persil, comme ça. Moi je mets du persil comme ça. Un peu d'huile et on va mélanger tout ça. Voilà, on mélange bien. Ça c'est la sauce pour les pâtes. Hein. Voilà, la sauce pour les pâtes. Hein. On va goûter ce que ça donne. Impeccable. Donc mon riz il est cuit, on va l'égoutter et on va le laisser refroidir pareil comme l'autre. Hein. On va égoutter tout ça. Voilà là-dedans on va l'égoutter. Hein. Allez, hop. Et on laisse refroidir. Allez, go. On laisse tout refroidir. Mes œufs ils sont pas encore cuits. Donc, moi en attendant, je vais faire un peu de ménage et je reviens quand tout refroidit. Mes œufs sont durs. On va ranger un peu parce que moi je travaille comme ça, ça me stresse. À un point, je vous raconte pas. Je peux pas savoir comment ça me stresse. Bon, à tout à l'heure, on va se dire à tout à l'heure. Pour arrêter la cuisson de mes œufs, j'ai mis dans l'eau froide. Ça s'arrête la cuisson. Voilà, on va laisser un petit peu refroidir et on va couper les œufs. Pour pouvoir, comme j'en ai 5, je vais mettre 2,5. Hein. Allez, go! Voilà. Bon. Mes œufs, je les ai coupés. Je mets 2,5. Voilà. Je vais commencer par. Qui ont bien refroidi. Vous n'allez pas mettre des pâtes froides. Hein. En attendant, comme j'ai tout mélangé d'un coup, ça va aller plus vite. Je vais mettre toute la sauce que j'ai fait pour mes pâtes. Surtout, n'allez pas mettre des pâtes froides. Voilà, vous mélangez bien. Voilà, quand c'est bien mélangé. Maintenant, je vais faire les pâtes de riz, salade de riz.
Par contre, la salade de riz, je vais mettre au fur et à mesure mon riz que je mélange. Bon, la salade de riz, je vais pas mettre de sauce, je vais rien mettre. Je vais mettre juste du sel, un peu de sel, du poivre. Vous pouvez mettre de la mayonnaise. Moi, je vais pas mettre de mayonnaise. Hein. Je ne mets rien du tout. Je vais mettre du persil. Et je vais mélanger tout ça. Voilà. Bien mélangé. Hein. Voilà. Moi, je mets rien d'autre que les pâtes. C'est pas pareil que le riz. Voilà les petits loups. Une salade de riz et une salade de pâtes. Vite fait, bien fait. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous mes petits loups. Bye bye.